les frérots, c'est tonton Démonixion avec Nadim le BG et les abonnés sont aussi BG. Ça c'est bien ça. Tu vois, tu commences comme ça, tu nous fais tous plaisir mec. Aujourd'hui les frérots, nouvelle petite vidéo, une vidéo d'urgence, très urgente. On était chez nous tranquillement à la maison et là Nadim il me dit j'ai jamais été au cinéma. C'est quoi ce bordel? Nadim n'a jamais été au cinéma. Ouais. Tu mens. Genre t'as jamais mis les pieds dans un cinéma mec? Ouais, j'ai jamais mis les pieds. Tu mens. Tu sais pas à quoi ça ressemble un cinéma, rien du tout. Si, il a plein de chaises et de fauteuils et tu regardes un film. Ok. Et bah les refs, je me suis dit c'est le moment ou jamais d'aller au cinéma avec Nadim. Petit programme les refs. On va se faire un petit film. Est-ce que tu t'y connais déjà un peu en film vite fait? Le 8 mars, il va avoir le film Scream. Un film d'horreur. Comment tu connais ça? Attends, mais attends, on est le combien là? Oh shit, oh shit. On est le 7 mars. C'est dommage. T'as de la chance, sinon on aurait été le voir mec. On va voir un autre film d'horreur, de toute façon y'a pas de soucis. Il y en a un autre qui vient de sortir. Quoi? Non. Du coup aujourd'hui, les refs, go cinéma avec Nadim pour voir un film d'horreur. Là, tu touches à ma sensibilité. Il est encore mieux que Scream. Nadim, reste là. Nadim, ça sert à rien de te cacher, on y va quand même la voiture. Non, je rigole, viens. Nadim, fais voir ta coupe de cheveux s'il te plaît. Ce que je te propose, c'est d'aller chez le coiffeur. Ah. Petit grade ND tous les deux. Regarde, je te montre ma coiffure. C'est abusé. Donc, ce que je te propose, Nadim, parce que je crois que ça va être la première fois que tu vas chez le coiffeur aussi. Ouais. On va aller au cinéma. Ensuite, on va aller au coiffeur pour faire un dégradé à Nadim, les gars. Je crois que ça va être la meilleure partie de la vidéo. Et ensuite, on rentre. C'est bon, non. Mec ou pas? Non, bah non. Vas-y, vas-y. Ensuite, on prend des raquettes de ping-pong et des balles de ping-pong. Pourquoi faire? Mais on n'a pas de table de ping-pong chez nous. On s'en fout. C'est parti, go pour voir ce créam, les gars. Let's go. Non. Mes frérots, avant d'aller assister à la pire séance de cinéma de France, vous savez que récemment je vous ai montré comment faire du montage. Bon, c'est bien beau les refs de faire du montage, mais pour en faire, il faut que vous ayez du contenu. Et ben les frérots, grâce à Demo Creator, vous allez pouvoir utiliser un logiciel d'enregistrement d'écran pour capturer n'importe quoi et en plus en bonne qualité en HD les refs. Avec Demo Creator, les gars, vous allez pouvoir enregistrer votre écran, votre webcam aussi, et bien sûr l'audio. Vous l'enregistrez des jeux les frérots, c'est bien sûr totalement possible. Et en plus les gars, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 120 FPS. Avec ça les gars, il y a quelques fonctionnalités en plus, comme par exemple le fait que vous puissiez dessiner en temps réel sur l'écran pendant que toi t'es en train d'enregistrer, ou encore la zone de capture personnalisable qui vous permet d'enregistrer n'importe où sur votre écran, que ce soit une fenêtre cible, une zone ou tout votre écran. Et enfin mes frérots, vous avez une fonction pour la webcam qui vous permet d'avoir des effets fantaisistes. Le petit plus mes frérots, c'est que vous avez une partie montage où vous pouvez également ajouter des sous-titres. Vous avez un changeur de voix avec 5 types d'effets de changement de voix. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Et avec ça les frérots, vous avez un effet panézoom, c'est-à-dire que vous allez pouvoir zoomer sur un objet particulier pour attirer un peu l'attention du spectateur, t'as capté. Personnellement les frérots, mon petit coup de cœur, c'est que vous avez une option de légende automatique. C'est une technologie de reconnaissance vocale qui va vous permettre de créer automatiquement des sous-titres pour vos vidéos et ça, c'est plutôt un bon petit coup de pouce. Merci à Demo Creator d'avoir sponsorisé la petite vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et dans les commentaires en épinglé mes BG. Les gars, Démonixion, il est parti aller payer parce que on s'est garé vers une place payante. Il a payé une place VIP pour se garer avec la voiture de 200 euros. Toi, arrête de mentir. Juste une fois. T'es qu'un menteur. Une fois. Et mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ce que tu dis n'a aucun sens. Les gars, on se retrouve dans le cinéma. Tu fais quoi, gros sac? Je filme. Vas-y, go. 3, 2, 1. Bon, mec, là, il y a tous les films, là, Jim. Tu connais Ant-Man? On va regarder ça. Et Jim, t'as vu? Scream. Mais c'est ce soir, Nadim, il est à 21h, on peut pas. Je m'en fous. Oh non, c'est moins de 14 ans. Bon, les mecs, ça y est, on est dans le cinéma. On va être solo, là, non? Vas-y, où? Viens, mec. T'as peur? Les refs, c'est incroyable. On a la salle que pour nous, les refs. Vas-y, ramène-toi, mec. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. T'es sérieux, toi? Nadim, mais frère, t'abuses, wesh. T'avais un truc à faire, c'était pas faire tomber les popcorn. Et c'est pas fini. Les refs, 5 minutes qu'on est là. Ça fait 5 minutes qu'on est là. Nadim, tu fais quoi, là? Pas des structures métalliques, garde de mort. Manger. Comment ça, tu vas les manger? Mais tu vas pas les manger, frère. On va les mettre à la poubelle et je vais en chercher une, c'est bon? Vas-y, range tout ça là, range tout, tu le laisses à côté de toi et je vais t'en chercher une, c'est bon? Le film va commencer, vite. Du coup les refs, j'ai racheté un popcorn, let's go. Bon, les gars, le film il a commencé, je viens d'arriver, j'en ai aucune idée d'où il est les gars, y'a personne, je sais pas où il est passé. Ça fait ta tôle. Oh Nadim! Comment t'as pu devenir un Avenger? Nadim! Les gars, le film il a commencé. Nadim! Wesh, les gars, je sais vraiment pas où il est. Nadim, j'ai des popcorn. Mais les gars, je crois qu'il s'est vraiment caché dans le cinéma là. Nadim, j'ai des popcorn, je vais les manger. Donc là, les gars, il est en train de faire un cache-cache dans un cinéma pendant qu'il a repris la société de son père.
supprimer désormais les. Et le film il tourne vraiment, hein. C'est normal là. Les gars, faut que je fasse toutes les allées là. De la reforestation. Je sais qu'il est caché ce chien. En passant par l'agriculture, elle ne s'arrête pas une seconde. J'en reviens toujours pas. Rien de tout ça n'aurait dû. Oh, espèce de gros sac. Ramène-toi, vite. Oh Nadim, tu sais qu'il y a un film, on n'est pas chez nous là. Je suis pas dans le popcorn. T'as regardé le début? Non. Allez, vas-y, on regarde, mec, c'est bon. Ok. Vas-y. On peut faire un cache-cache. Elles sont bonnes ou pas les popcorn? Ouf. T'as pas tout le paquet, frère, ça fait demi que ça a commencé. Personne n'a la. Ça vient de commencer, doucement. C'est tout l'intérêt de cet appareil. Pour l'espace lointain. Bon, les refs, je crois que le film il est vraiment nul pour qu'il y ait personne dans la salle. En vrai, t'aimes bien le film ou pas? Ouais. T'aimes bien pour de vrai? Ouais. Mais qu'en plus, il a 8 empreintes. Quoi? Empreintes. Des empreintes? Ouais. C'est quoi des empreintes? Où tu entends le son, il y en a 1, 2, 3. Une empreinte, deux empreintes. T'as l'œil, mec? Nadim, ça fait 10 minutes que ça commence. Vas-y, emmène-moi faire caca. Dépêche-toi. Bon, les gars, je pense qu'on va regarder 2 minutes de cinéma. Ça va être le pire cinéma de ma vie, je crois. Nadim. Oh, Nadim. Dépêche-toi, ok? Oh, je t'attends dans la salle, c'est bon? Si. Attends. Va faire caca, j'arrive. Vas-y. Attends. Vas-y. Quoi? Comment ça, y'a plus de papier? Bah, fais pas caca, alors. Eh hey, vas-y, moi je vais dans la salle, vas-y, c'est bon. C'est une galère, il peut pas rester plus de 2 minutes. Bon les gars, sur ce, moi je retourne voir le film. 15 minutes later. Ça fait 15 minutes qu'il est pas revenu. Faut que j'aille voir. Je sais pas quelle dinguerie il a fait. Bon les gars, là je vais aller voir aux toilettes s'il est là-bas. Il est resté sur les toilettes sans papier? Non. Bah il est plus là, wesh. Bon, bah les gars, deuxième cache-cache du coup. Wesh, c'est pas perdu quand même. Les gars, en fait, ça sert à rien de regarder le film avec lui. Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Nadim? Wallah, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais? De quoi, c'est où? Mais c'est pas du tout là, viens! Wesh, mes frères, tu vas me dire t'étais perdu là? Nadim, à quel moment on est monté par des escaliers? Quoi? On est allé en face là-bas. Non, mais ça y est, frère, ça y est, lui aussi là. Oh, tu vois bien que tu passes pas là? Oh, c'est la dernière fois que je t'emmène là, toi. Non! Si, frère! Quoi? On a raté tout le film! Tu sais même pas ce qui s'est passé dans le film depuis le début. Allah, tu vas faire caca, tu te perds. Ils sont deux. Rien de cassé. Ça va. Oh, Nadim, t'as assis sur quoi là? Pourquoi t'es haut comme ça? Vas-y, tu sais quoi, Nadim? On a rien compris au film, on va se tailler, ok? Déjà, les gars, on a nettoyé les popcorn. Même si on fait des conneries, on nettoie, Nadim, ok? Ok, man. Ça, c'est propre, c'est bon, nice. Donc, les refs, on va aux toilettes et après, on va au coiffeur, c'est bon? Là, Nadim, j'ai payé un cinéma pour rien, sale chien. Ouais. Bah, les gars, nous revoilà du coup au spot. On a plus été aux toilettes que dans la salle de cinéma. Bon, je pense, les refs, on va aller directement au coiffeur. De toute façon, on a rien compris au film. J'ai rien compris au film, l'autre, voilà, il était à l'ouest. Donc, les refs, là, on va aller directement à la voiture, puis après, il faut coiffeur, hein. Go faire un dégradé, ok? Ok, bah. C'est bon ou pas? Ok. T'as bien aimé le film? Ouais. Il était bien, hein? T'es trop bien. Vas-y, raconte-moi un peu l'histoire. C'est l'histoire de Ant-Man. Allez, vas-y, dégage. Premier cinéma de Nadim, une catastrophe. Nul. Comment ça, nul, frère? Il était nul. Non, il était pas nul, tu faisais n'importe quoi tout le long. Là, on va aller au coiffeur et je vais lui demander une boule à Z. Non. Si, Nadim, il va te faire la boule à Z. J'y vais, je lui dis, vous me mettez chauve. On essaye. Non. Tous les deux. Les gens, ils vont dire, on est frères. Go se faire chier, let's go. Nadim, t'es prêt, mec? Il a la pression, il a la pression. Regarde, Nadim, là-bas. Il va te faire la boule à Z, il a dit. Non. Vite fait. Boule à Z, vite fait. Vite fait. Je te paye carrément. Non. Boule à Z ici, tout ça là, c'est parfait. Ah, oui. Tu vas le dire à maman? C'est bien comme ça. On arrête ici, non? C'est bon, hein? C'est bon, c'est fini. Après, c'est bien quand tu vas jouer au foot, tu vas mettre des têtes. Ouais. Tu vas bien toucher le ballon. C'est bon là? C'est bon là? Falala les gars, regardez la coiffure de Nadim. Nadim, il est passé de Nadim à Youssef. Falala, comment t'es beau, mec. T'es trop BG, Nadim. Ouais, Nadim Youssef. T'es beau gosse comme ça, Nadim, hein. C'est bon, mec, on est BG les deux. Ouais. On est incroyable ou pas, mec? Tu peux rentrer à la maison, mec? Non, on va aller chercher les balles de ping-pong. Nadim, en vrai, qu'est-ce que t'en penses? Les refs, dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe. Ou juste, on prend la caméra et on filme ce qui se passe dans la journée. T'es chaud ou pas? Ouais. Comment on pourrait appeler ça? Mettez-moi dans les commentaires, les refs. Aidez-nous dans les commentaires, vous mettez un titre. On va à KFC? Non. Bon, et ben les mecs, c'est parti. Du coup, là, je suis avec Samir. Et là, on va à Décathlon. Efficace, s'il te plaît. Balles de ping-pong, tac-tac, on prend et on rentre. Let's go, Samir. Prends des blanches? Non, prends des oranges, comme ça, tu les vois bien. Vas-y, Kader. Trouve les balles de ping-pong? Ouais. Ok, nice. Bon, t'es heureux?
Vas-y, impec, allez go. Bon, c'est bon, Nabil, t'as des vols des ping pong, t'es content? Ouais, on peut rentrer à la maison. Carré. Bon, et bah les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Premier cinéma de Nadim plus premier coiffeur de Nadim. C'est ouais, beau. C'est beau. C'est beau, c'est très beau. Les frérots, n'hésitez pas à me donner un petit titre de série qu'on pourrait faire. On prend la caméra et on part totalement. Genre freestyle vlog ou un truc comme ça stylé, tu vois. Bref, les frérots, cassez-moi les pouces bleus si vous avez kiffé cette petite vidéo. Abonne-toi, mon frérot, c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bilal, un petit mot pour la fin? Les gars, on se voit pour la nouvelle. Les nouveaux. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, ciao.